La façon dont c'est traité dans les médias, bah, c'est du pur cinéma, on va dire. Enfin, à mon avis. C'est à leur volonté, en fait. Ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer, quoi. D'accord. Donc s'ils veulent, par exemple, mettre un peu plus d'influence sur Sarko, ils vont montrer Sarkozy à donf, quoi. S'ils veulent monter un peu les sondages d'Hollande, ils vont montrer Hollande à fond, pareil. Et voilà, quoi. Ils vont nous montrer du Hollande, ça fait que ça va influencer dans... Peut-être dans nos choix, et puis voilà quoi. Je vais partir. Alors, la façon dont c'est traité par les médias, bon, à vrai dire, je m'y intéresse pas vraiment, mais bon, c'est vrai que j'ai quand même mon opinion là-dessus. Est-ce que vous les suivez un petit peu? Oui, un petit peu. Un peu, mais pas particulièrement sur la télé, non. Sur Internet. Sur Le Monde, beaucoup. D'accord. Et moi, je trouve que c'est assez grotesque, en c'est gros. Assez grotesque. Oui, c'est un peu genre, tout le monde se fiche de l'autre, mais c'est petit, quoi. Enfin, d'accord. Je trouve que c'est ridicule. Donc ça te donne pas envie de t'intéresser? Ça me donne pas envie de m'y intéresser, non. Donc après, j'ai mes idées, mais j'écoute pas ce qui se dit. Ah, les médias. Comment vous trouvez que c'est traité par les médias? C'est très bien traité. On est bien informé. Par contre, le fond... Le fond, d'accord. Ouais, c'est un peu difficile. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire un peu sur le fond? Oh, si vous voulez, c'est savoir pour le travail, les gens, les impôts. Et ça, en fait, c'est un peu... C'est vague, hein, entre les deux courants, entre le PS et l'UMP. D'un ouais. côté, on a envie que l'économie reste forte avec l'UMP. De l'autre côté, on a envie d'avoir le social. Malheureusement, il n'y a pas une voie de centre. Il y a 5 ans, on d'accord. aurait pu espérer tout ça, mais il n'y en a pas. Il y a l'effet Mélenchon. C'est un peu curieux tout ça, c'est un beau discours, mais ça s'arrêtera là, je pense. Je trouve, enfin, au niveau des médias, perso, j'ai pas de télé, je suis pas trop à la presse, donc je suis plus informé à côté par internet. D'accord. Mais je trouve que les débats sont inintéressants. D'accord. Globalement. Je trouve qu'ils sont inintéressants, pourquoi? Parce que c'est pas les bons sujets. Parce qu'ils sont fixés sur qui va choper le pouvoir et pas sur les vrais problèmes des gens. Donc, comme ils se focalisent pas vraiment sur ce qu'ont besoin les gens, comment se faire en sorte que la situation s'améliore, je pense que ça sert pas à grand chose de suivre les débats pour le moment. Surtout si c'est pour finir par voter pour le moins pire, ça ne va pas vraiment le coup. La campagne, j'aime pas trop cette année. D'accord. Déjà. Je la trouve un peu de bas niveau. D'accord. Et les médias, je crois que ça joue trop la médiatisation, le spectaculaire, les phrases assassines, les propos secondaires, et ça vise pas assez l'essentiel. Je trouve qu'ils parlent beaucoup des petits problèmes qu'il y a entre les candidats plus que de ce qu'ils vont vraiment faire pour la France, quoi. Donc c'est un peu désespérant, quoi, même si on a envie de s'y intéresser. Enfin, on est obligé d'aller chercher les programmes sur Internet, nous, pour se renseigner un peu plus que ce qu'on entend à la radio. D'accord. Enfin, moi, j'ai la radio, mais je ne sais pas ce qui se passe à la télé, par contre. C'est très maltraité par les médias. D'accord. Très, très maltraité. Et puis, je sais pas ce que ça veut dire. Bah, qu'on n'est pas justement sur l'essentiel, mais plutôt sur des choses qui sont totalement... On est en périphérie, quoi. On parle du futile et on parle pas des choses profondes. D'accord. Vous trouvez que c'est maltraité parce que les questions sont pas bien posées? Les questions ne sont jamais bien posées. Les journalistes ne font pas l'effort d'aller au fond. On a l'impression qu'ils n'ont pas traité leur sujet, quoi. Donc on va parler des petites choses à droite, à gauche... qui font plaisir à beaucoup de gens, mais au fond, qui ne répondent pas du tout aux questions fondamentales qu'on peut se poser. Assez partisane. Assez partisane? À mon goût. Je pense qu'ils relayent plus les candidats qui sont majoritairement dans les sondages en tête que les autres. D'accord. Il y a une grosse inégalité, à mon sens, de temps d'antenne et même dans la façon de les interroger, des grands candidats, entre guillemets, par rapport aux autres. D'accord. Donc vous trouvez que c'est pas très objectif de la façon dont... C'est déséquilibré, on va dire. C'est déséquilibré. Et puis effectivement, dans la façon d'interroger, on sent que les journalistes sont nettement plus, on va dire, conciliants avec les grands candidats qu'ils ne sont que les petits candidats. Ils sont parfois même méprisants avec. Moi, je trouve que c'est bien couvert. Peut-être qu'effectivement, les médias cherchent trop le sensationnel, la petite phrase, plutôt que de s'axer sur les programmes. C'est ce qui est intéressant, parce que les Français veulent savoir ce qu'ils vont devenir. Et non pas si ce qu'a dit Sarko, ce qu'a dit Hollande, voilà. Les petites phrases, quoi. Voilà, les petites phrases. Ça, effectivement, je pense que... Ou alors, pour qui on va voter? Pour qui ils vont faire appel à voter au deuxième tour? Je trouve que ça, on verra bien. Ce qui est important, c'est de savoir pour chaque candidat quel est son programme. Moi, je compte pas sur les médias, sur la télé pour m'informer. Je vais regarder dans les programmes. Vas-y.
avis ? Ouais, j'ai pas encore eu la chance de m'y pencher. Bah, je me suis pas encore penché réellement, du coup je sais pas quoi. D'accord. Mais Tu suis pas du tout Non, vraiment pas du tout quoi. D'accord. Et tu vas aller voter ce dimanche ? Je pense, mais pour l'instant, qui voter encore à une semaine, je sais pas encore. D'accord, t'as pas encore fait ton choix ? Non, pas vraiment. J'ai eu petites idées peut-être, mais après, à savoir, c'est un peu flou quoi encore. Je pense pour certains Français, c'est encore flou quoi. Alors, j'ai grandement hésité sur le fait d'aller voter parce que c'est pas dans mes idées. Mais j'ai été, on va dire, influencé par mon entourage qui m'ont dit bah, va au moins voter pour pas qu'on tombe sur Sarko. Donc, tu vas aller voter dimanche ou pas ? Ouais, je pense quand même. Ouais. D'accord, tu trouves que c'est important quand même d'aller voter ? Bah, perso, je vais voter blanc. D'accord. Parce que je pense que c'est important, même si c'est pas vraiment reconnu, de dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on a envie d'un autre genre de système, qu'on a envie que les choses soient prises en compte. Plus à partir des priorités des gens, des problèmes sucre des gens, d'argent. Plutôt que de plutôt que par bah merde, du coup il m'a coupé ce con. Non du coup, ouais, du coup que les gens ils parlent plus des problèmes des gens, des villages, des communautés, des régions, des départements, plutôt que ce soit tout centralisé par quelques mecs qui n'ont strictement rien à branler et qui pensent juste à s'en foutre plein les poches sur le dos des gens. Voilà. D'accord. Et donc est-ce que vous allez aller voter dimanche ? Oui. Est-ce que vous trouvez ça important d'aller voter ? Oui. D'accord. Pourquoi On s'est battu pour ça. Oui, je trouve que c'est important d'aller voter, même si je sais toujours pas pourquoi je vais voter et j'arrive pas à me décider. D'accord. Quoi. Je suis pas très convaincue. D'accord. Et est-ce que vous allez aller voter dimanche ? Oui. D'accord, vous trouvez que c'est important d'aller voter ? Oui. Oui, bien sûr, je vais aller voter. D'accord. Pour moi, c'est un. Tu trouves ça important ? C'est important. D'accord. C'est plus je vote telle personne parce que je veux pas. Je pense que l'autre va être au deuxième tour, donc comme j'ai pas envie qu'elle y soit, je vote. C'est plus un vote à défaut que plus je vote pour un programme, je vote pour un candidat. Quoi. D'accord. Donc vous n'avez pas, on va dire, une opinion définie, c'est plutôt... Pas du tout. D'accord. Enfin, je vous avouerai, de tous ceux qui se présentent, j'en vois aucun président déjà. D'accord. Ils n'ont pas, pour moi, le vrai but d'un président. D'accord. Pour toi, ça serait quoi le vrai but alors ? Pour moi, ça serait vraiment plus quelqu'un que quand il dit les choses, il les fait. D'accord. Tout simplement. Et vraiment être plus près des gens. Parce que bon, tous à Paris, ils ont un très beau patrimoine chacun. Ils sont très pas assez chez nous quoi. Enfin, pas assez sur la réalité de la vie. Bien sûr. Je rentre chez moi pour aller voter. D'accord. Je fais 800 km pour aller voter. Et donc vous pensez que c'est important d'aller voter ? C'est essentiel. C'est essentiel. Pourquoi ? On a la chance d'être dans un pays démocratique et il faut que chacun, quelles que soient ses opinions, puisse les exprimer. Et c'est ça la démocratie, ça va par là. Oui, bien sûr. D'accord. Pour quelle raison alors ? Pour quelle raison ? Parce que j'aime bien que quelqu'un d'autre ne décide pas de mon avenir, qu'on a la chance de ne pas être en dictature, donc il faut en profiter. Ah oui, bien sûr. Vous trouvez que c'est important d'aller voter ? Ah, essentiel, c'est le droit de vote. Il y a plein de pays où les gens souhaiteraient l'avoir et ne l'ont pas. Ça a été un combat pour l'avoir. Même si on ne trouve pas exactement le candidat qui nous convient, à mon avis, c'est quand même essentiel d'aller voter et de choisir celui qui nous paraît le meilleur. D'accord. De toute façon, pour moi, je me suis battu pour avoir ce droit de vote. Hein, donc j'irai voter, ça c'est sûr. Donc oui, je vais voter, c'est sûr. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Vous disiez à votre contestataire peut-être. Donc vous seriez capable d'aller soit voter Mélenchon, soit Front National. Pas le Front National, ça c'est sûr. D'accord. Ça c'est clair, c'est une évidence. Voilà. Donc, parce que je pense qu'ils ont. Par contre, il faudrait que le Front National soit impliqué. Et impliqué, si vous voulez, pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Je ne suis pas sûr qu'ils soient capables de faire. Donc vous êtes plutôt, on va dire, de tendance centre-gauche. Centre-gauche, droite, ça c'est difficile voilà. Hein, maintenant. Et donc vous seriez capable même d'aller voter Mélenchon, du coup. Mélenchon, c'est pour un premier tour, comme ça, peut-être, hein, mais c'est pas sûr. Hein. Mais que ça, je serais, le jour, je dis peut-être, pourquoi pas, en fait. Pour qu'il ait un pourcentage, si vous voulez, s'il a 16-17%, en fait, tout ça, ça aura quand même un impact, si vous voulez, ça apaise un petit peu. Si vous laissez la droite qui passe la deuxième fois, ça peut apaiser un peu. D'accord. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais si c'était au deuxième tour, je ne voterais pas pour lui. D'accord. Voilà, ça c'est clair. Ah oui, c'est important. Malgré tout, ça reste l'un des rares droits importants que nous ayons pour intervenir dans la vie publique. Hein. Sinon, on est vraiment dépossédé de tout. Heureusement qu'il y a encore ça. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que ils ont du mal à aller voter parce que les abstentionnistes ne sont pas forcément pris en compte, même si on va mettre un vote blanc qui n'est pas pris en compte et que ça fait que le jeu des politiques en fait qui peuvent se,
se présenter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que le vote blanc devrait être comptabilisé comme les autres, parce que c'est un geste qu'on fait. C'est pas ne pas aller voter, mais c'est voter d'une certaine manière. C'est qu'on ne trouve pas dans l'offre politique assez de motivation pour donner son adhésion à tel ou tel candidat. D'accord. Voilà. Ben, je vous remercie. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir.